Il s'est ouvert ce vendredi 7 avril 2023 à Lubumbashi dans la salle de réunion de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC. Le procès sur le meurtre des jeunes présentés comme membres de la brigade Zoulou du parti politique UNAFEC. Après lecture de l'extrait de rôle, les deux prévenus ont été présentés. Il s'agit de deux militaires dont Aozoma, Issan Zala Dos Santos et Mbaibou Dama, tous militaires de deuxième classe. Ces derniers sont tous des nouvelles unités de la série 2022. Ces derniers sont accusés, selon l'auditeur militaire de garnison de Lubumbashi, de meurtre. Na makanisi na bino pe na décision na bino moko na volonté na bino bobomi bato ebele bato ango bobomi atangi ndakisa lokola monsieur Mbaye Justin, monsieur Ngoi Kasongo François. Cette première audience était consacrée à l'identification des présumés auteurs, mais aussi des parties au procès. Les deux prévenus ont tous nié avoir tiré sur les militants de l'UNAFEC. L'un de ces deux a affirmé que son arme AK-47 avait un problème, car, dit-il, elle ne pouvait pas fonctionner. Une douille à l'intérieur ne permettait pas à son arme de tirer. Le chargeur contient toujours les 30 balles. Qui a donné l'ordre de tirer et qui a également autorisé à ces jeunes de tenter de ravir l'arme aux jeunes militaires? Le tribunal sera donc fixé lors de la prochaine audience fixée pour le mardi prochain.